faire un petit sprint. Romain, dites-nous, j'imagine que cette étape a vous fait chaud au cœur. Ouais, ça fait chaud au cœur, surtout que quand ouais, c'est à côté de la maison, j'ai dormi à côté de la maison, ça fait bizarre de dormir à l'hôtel, mais juste à côté de la maison. Mais bon, voilà, ouais, comme je disais au podium, c'est des routes que j'ai envie de dire, deux entraînements sur trois, je passe ici, au lac Chambon, c'est un coin que j'affectionne particulièrement, aussi le lac du Guéry, on va y passer, donc voilà, c'est vraiment une très belle région pour faire du vélo, très content d'être ici, et voilà, après on va essayer de bien aiguiller les jeunes. Et puis voilà, même si je connais les routes, c'est pas pour ça que je serai dans l'échappée. Je pense que voilà, faut que je supporte un petit peu l'équipe aujourd'hui et surtout là avec un final assez technique, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux pour eux. Du coup, ce sera un sprint entre mecs qui passent bien les bosses. Ouais, on sait jamais, hein, les premières étapes du Dauphiné toujours un peu spéciales. Hein, s'il y a 5-6 coureurs devant, l'échappée peut aller très loin. On est toujours sur des routes qui tournicotent, comme on dit, un peu droite-gauche. Donc voilà, après le circuit final fait mal, hein, et c'est quand même il y a après. Mais je pense que des sprinteurs peuvent passer comme Christophe Laporte, Groenewegen, c'est peut-être un petit peu dur, après tout dément comment ça va courir. Mais voilà, c'est un beau circuit, après l'arrivée les 10 derniers kilomètres sont vraiment très rapides, donc il faudra être placé en haut de la dernière bosse comme tout le monde le sait. Donc voilà, ça va être assez tactique, un final assez technique, donc on va essayer d'aiguiller au mieux les jeunes de l'équipe pour faire un bon résultat aujourd'hui. Quand vous parlez des jeunes, vous vous référez à Oscar Only? Ouais, Oscar et aussi Max Poul, hein, qui est un très bon jeune, meilleur jeune du Tour des Alpes. Il était dans les meilleurs autour de Romandie, il a supporté longtemps Romain Bardet. Donc on a deux très bons jeunes pour le général. Donc voilà, c'est de les emmener à l'arrivée aujourd'hui sans pépin, sans chute. Et puis voilà, après pourquoi pas aller chercher un petit résultat avec un autre coureur en fonction de l'état de fraîcheur. On parlera entre nous dans le dernier tour. Merci Romain, merci beaucoup, profite bien.